hecho? Honnête. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repérés. Reste derrière. Oh, nous devrions peut-être nous séparer pour nous tromper. Ça, c'est la meilleure idée de la journée. Creíamos que volverían, pero se han marchado de esto. Quin iteam rubia de Sigarbor. Quae petraxit et non potu iteam donec liberatus fuit. Bonjour, messieurs. Vous êtes en retard. Oui, messieurs. Oui. Nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardés. Scriptura nestio. Ego simplex utor picturis. Vous parlez du capitaine Mendoza. Oui. Il est impatient de faire votre connaissance. Mais il doit d'abord assister à une pendaison, seigneur. Une pendaison? J'adore les pendaisons. Oh, quelle aubaine, monsieur! Quand nous entendrons la cloche, nous pourrons y aller. Todo un campeón con las mozas, si te crees. Cela me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. ¿Insensibles? D'attendre toute la journée. Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendue, il vous versera votre argent. J'espère qu'il ne compte pas me payer en reales. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Si, si. Nous avons saisi une belle quantité de sucre. La nuit dernière, à un gros anglais. En anglais. Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal te sentencia a morir en la horca. Son propriétaire a provoqué une rixe la nuit dernière. Il a fui en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo? Non, monsieur, non. Je pense que le capitaine Mendoza vous le fera livrer. Oui, c'est certain. Par tous les dieux, cette grande brute est le capitaine Mendoza. Non, monsieur, ça c'est El Tiburón, l'homme de main du gouverneur Torres.
Yo iba al río, de repente... ¡Ah! ¡Cielo, te lleno justo aquí! Vous savez quoi faire. Haré cualquier cosa en tu placer, amigo. Oh, oh! Deberías hacerle caso. ¡Quédate donde estás! Esto no durará mucho.
Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. Oh, j'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu, quelle aventure ce serait! Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps.